Bonjour, c'est à nouveau Popix Bricole Tout, la machine à pain épisode 2. Donc j'avais fait la vidéo pour démonter la machine en pensant que ça venait de la courroie. Ça m'a permis de tout regresser en faisant l'essai. En fait, en remontant le bac dans la machine et en mettant en route, ça faisait toujours un bruit anormal. Et donc je me suis rendu compte que c'était les axes qui étaient grippés. Ils étaient bloqués dans le. Donc je les ai tout démontés, qui étaient bloqués dans le. Ben dans le. Enfin dans le moule de la machine. Donc là, je les ai tous démontés. Il y en a un qui était complètement bloqué. Donc j'ai chauffé avec un petit chalumeau, petit chalumeau de cuisine pour le débloquer. J'ai mis un petit coup de papier de verre. Maintenant, il rentre vraiment librement. J'ai graissé un petit coup. Il me reste à tout nettoyer. J'ai refait un essai dans la machine, là tout marche parfaitement. Là, pas hésiter à démonter les axes. Donc les axes, s'ils sont grippés, le mieux c'est de démonter le petit circlips. Ici, une fois que vous enlevez le circlips, il y a cette partie-là supérieure qui s'en va. Vous accédez à l'axe. Et après l'axe, vous le chauffez et vous pouvez le chasser en tapant dessus ici, avec une vis et un marteau pour l'extraire vers l'intérieur. Après, vous récupérez l'axe d'un côté que vous nettoyez. Pareil de l'autre côté. Et là, maintenant, on voit bien que tout tourne librement. Donc, on pourra refaire du pain. Allez, bonne soirée!